Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur One Piece Odyssey, un jeu une fois de plus de Bandai Namco, évidemment en partenariat avec Eiichiro Oda, évidemment. Alors il y a quelques années, on a joué à One Piece World Seeker qui était pas mal au niveau du gameplay, mais qui malheureusement pêchait par son monde ouvert qui était vraiment vide et qui manquait finalement d'interaction et de PNJ. Aujourd'hui, on se retrouve sur One Piece Odyssey, donc sur PS5, 3-4 ans après la sortie du précédent opus. On va être donc toujours sur une mécanique un peu RPG si je ne me trompe pas, et donc on va se lancer dans ce nouveau let's play. Bien évidemment, je vous invite à liker et à vous abonner comme d'habitude pour ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et on va tout de suite sans plus attendre se lancer sur une nouvelle partie pour voir un petit peu ce qui nous attend sur ce jeu. Et du coup c'est parti, nouvelle aventure. Oui, on veut commencer une nouvelle aventure évidemment, sinon on n'aurait pas acheté le jeu, vous vous en doutez. Vous retrouverez évidemment demain l'unboxing du collector de One Piece Odyssey que je reçois demain en début d'après-midi. Il a un peu de retard, veuillez m'en excuser.麦わらの小僧どもが和古殿に近づいているらしいな。和古殿は神の息吹が。大丈夫なのか。確かに和古殿はあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだ。 Oh, il a morflé. Oh là 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 là, dans l'état qu'il est. ルフィ、しっかり。怖いよ。そんな想像してたのかよ。俺の帽子がねえ。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。
何沈んでんじゃねえか。うわ、危ねえ。なんだ、この島どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。などなんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。 信じがたいけど、雷を凍結させたもののように。この島は一体、昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、 ブラックもいないぞ。どうするんだ、ルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。Ah ouais, d'accord, ça disparaît comme c'est arrivé. Nami! Zoro! Brook! Et nous voilà donc sur l'île mystérieuse. Bon, franchement, c'est pas moche. Les vagues sont pas super bien faites. Enfin, elles montent de manière bizarre. Mais après, le jeu, franchement, il est plutôt chatoyant. Il a des couleurs très vives. J'adore ça. Il a l'air assez fluide. Donc, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Alors, cherche ton équipage. Les objectifs de l'épisode sont affichés en haut à droite de l'écran. Tu peux également les retrouver dans le menu principal. Consulte-les pour connaître la prochaine étape de ton périple. Les missions permettant de progresser dans l'épisode sont indiquées par une icône rouge. Les objectifs sont indiqués par une icône point d'exclamation rouge. Et les informations par une icône en forme de bulle et de dialogue rouge. Les personnages indiqués par cette icône donnent des indices sur l'aventure. De plus, ceux indiqués par des icônes rouges donnent des indices sur l'épisode principal. Alors parle à tous ceux que tu croises. Ok, donc nous voilà. Dans le monde de One Piece Odyssey. Donc franchement, premier avis à chaud, on est juste sur une plage, mais franchement, il y a quand même un gain graphique par rapport au précédent épisode. Je trouve la map en bas à gauche vraiment magnifique, déjà ça c'est à souligner. Le jeu vraiment a l'air quand même vraiment beau. Alors attendez, comment on fait pour ouvrir ces ronds? C'est une palourde carrée. Non, ça ne se mange pas. Ça n'a même rien d'appétissant. D'accord. On peut évidemment sauter. Pour l'instant, on n'a pas encore accès, j'ai l'impression, au pouvoir. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne peut pas aller dans l'eau. Donc, ça me fait penser que ce sera peut-être pas forcément un monde ouvert. Parce que si on ne peut pas, par exemple, aller là, c'est qu'on n'est pas dans un open world. Mais peut-être dans un jeu avec des zones interconnectées. Cette pierre bosselée, elle s'est fait foudroyer. Ouais, d'ailleurs, on voit les trucs électriques, les champs électriques. Après, voilà. Franchement, ce décor, il est très très beau, on va pas se mentir. Alors moi, ma question, c'est... est-ce qu'on a un petit mode photo ? Sanji, itaka, Namitachi. Ok, Sanji nous a rejoint. Le cuisinier de la bande. Évidemment, on peut sprinter. Alors, dis-moi tout. この辺りにも、みんな、全身。雷雲のない空から、落雷。考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも、
Ok, franchement, ça a l'air plutôt intéressant pour le coup. J'avoue que cette île m'intrigue vachement avec ce côté la foudre qui tombe, et on voit clairement qu'il y a une espèce de cercle autour là-haut. Sans compter ce rayon gigantesque qui arrive d'en haut. Non, franchement, j'avais quand même pas forcément détesté non plus le précédent opus. Je l'avais plutôt bien aimé. Même s'il avait quand même de gros défauts. Mais celui-là a l'air quand même, pour l'instant, un cran au-dessus. Ok, donc on va traverser une grotte visiblement. Donc effectivement, c'est pas un open world, là il y a des chargements entre les différentes zones. Alors ça doit probablement être une sauvegarde. Les points de sauvegarde enregistrent ta progression et restaurent ta santé, je m'en doutais un petit peu. Ah oui, peut-être que je me fasse au fait que c'est comme en japonais, il faut faire rond. Attends, quoi ? On commence au niveau 40. Bizarre ça quand même. Bon, en même temps tu me diras, c'est plutôt logique finalement, puisque bah, ils ont déjà vécu pas mal de trucs depuis. Mais ça fait bizarre quand même. Mais bon, niveau 40, on voit dans combien d'expériences on monte, le nombre de PV qu'on a, voilà, tout va quand même plutôt bien. Putain, le menu est vraiment magnifique aussi. Hein. Faites voir, on a la carte. Alors on peut pas, si, on peut se balader quand même un minimum sur la carte. Donc la zone où on peut marcher, c'est la zone orange, et le reste, c'est juste du décor. Pour l'instant. Ok, et eh bien écoutez, on y va, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui nous attend sur cette île. Voilà donc au jardin de King Kong. Oh là. Eh bien écoutez, sauve Nami de la bête. Après j'ai envie de dire, si c'est pas un open world, c'est pas très grave, parce que souvent, c'est un peu la mode en ce moment les open world, et très souvent on est déçu justement parce que le monde ouvert est vide. Donc potentiellement le fait d'avoir une île avec des zones fermées, peut-être que ça nous permettra d'avoir des décors un peu plus sympas. Donc il faut utiliser L2 pour viser et R2 pour utiliser le Goom Goom Locket. Ok, L2, R2. Yoshi, ikuzo. Allez, on peut continuer d'avancer. J'avoue, on dirait des espèces de capsules de sauvetage, ou je sais pas. Il y en a pas que là, il y en a là aussi. De nombreux objets n'attendent que d'être ramassés. Si tu repères un objet brillant sur le sol, ramasse-le avec rond. Les barils, les pots et les boîtes en surbrillance peuvent être détruits. Ils contiennent des objets, alors détruis tout ce que tu trouves.
Eh bien écoutez, allons-y. Hop là, ils nous donnent pas mal de trucs. Par contre, c'est dommage, ils ont pas doublé tous les textes. Allez, nickel. Ah ouais, d'accord. Bah écoutez, pourquoi pas. On arrive à proximité de la bête, j'ai l'impression... Oula. Le premier combat, messieurs dames. Ah mais c'est au tour par tour. Ah mais ça je l'ai pas vu venir du tout. Moi je pensais que c'était un action RPG comme le précédent jeu. Enfin en même temps peut-être que le précédent c'était pas un action RPG, je m'en rappelle plus du coup. Mais si, il me semble que c'était de l'action RPG le dernier. Alors la jauge près de l'icône d'un ennemi indique son ordre d'action lorsque tous les voyants sont allumés, c'est au tour de cet ennemi d'agir. Ce qui explique pourquoi ils rejoignent notre équipe, les alliés. pour le premier combat, what the fuck. Mais on monte dans combien d'XP du coup? On doit monter dans beaucoup quand même. 1 218 000 sur 1 337 000. Ok. Pourquoi pas, il nous faut plus de 100 000 points d'XP pour le premier combat. Bah, en même temps, on gagne 24 000, ça va vite en vrai. 24 000. Bon, alors, je suis plutôt finalement agréablement surpris par le système de combat. Je m'attendais pas du tout à de l'action RPG, à du gameplay au tour par tour, mais honnêtement, ça me déçoit pas. Je me dis que peut-être que ce sera plus sympa, justement. Mais c'est marrant parce que je me rappelais pas du tout avoir vu que c'était du tour par tour. Alors certaines compétences peuvent cibler à la fois un et plusieurs ennemis. Sélectionne une compétence pour consulter ses effets. Ah ouais. Il est fort quand même, il n'y a pas à dire. Ah bah regardez, on voit les mobs là-bas de l'autre côté. Et moi ma question c'est... Ah oui d'accord, il faut aller là-bas justement. Il faut faire le tour en fait. Eh bien écoutez, on y va, hein. Le but c'est quand même de sauver Nami, je le rappelle. Oh là. Enfin, en fait, j'ai l'impression que cette partie de l'île en zone semi-fermée, j'ai l'impression que ça fait partie du tuto. En gros, il va falloir qu'on récupère l'équipage, ce sera le gros tuto, l'intro finalement. Et peut-être qu'après, je dis bien peut-être qu'on aura un open world pour la suite de l'aventure. Après, je peux me tromper, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est marrant, mais cette île, elle me paraît quand même assez petite. Et comme il y a un gros rayon qui monte vers le ciel, je me dis que peut-être qu'en fait, on va aller sur l'île céleste. Je rappelle que je n'ai pas regardé dans l'annonce du jeu, au cas où vous demanderiez.
腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんで？それなら道を開けても。待てウソップ。どうしたアチョッパ？敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。 En gros, ils veulent le bouffer, quoi. Ça fait déjà deux fois qu'il s'est paralysé, lui. Les mises en scène peuvent être activées en remplissant certaines conditions. Au cours des mises en scène, l'attaque de l'ennemi ou les dégâts qu'il subisse peuvent augmenter. Lorsqu'il te reste aucun ennemi dans la zone, tu peux attaquer un ennemi d'une autre zone pour la rejoindre. Ok. Oh là. Oh là là, la violence du truc. Allez, tiens. Oh putain, ils sont forts. Ils sont grave forts. Il a quoi comme compétence? Ok. Allez, go. Allez, tiens, ça c'est fait. Et un petit bonus XP. Ah ouais, ils ont doublé d'XP. Mais what the fuck. Bah écoutez, c'est une victoire hein. On peut donc continuer d'avancer. Absolument, absolument. Ça va nous permettre de rejoindre cette petite zone où il y avait le... la fameuse bête finalement. Eh bien écoutez, c'est parti. Allez go. Ah, regardez. Un petit objet, on entend un ami qui crie là-haut. C'est vraiment pratique ça. Oh là, regardez-moi la taille de ces trucs. Finalement, c'est vraiment bien fait parce que là, pour le coup, pour une fois, il y a de la vie quoi. Il y a du décor, on voit des mobs un petit peu partout qui font leur petite vie. Donc, franchement, il y a clairement de l'évolution par rapport au précédent épisode. Hein. On va pas se mentir. Ouais, c'est clair. Regardez, il y a un petit lézard qui vient de disparaître. Je vais me faire attaquer là. Non ? ナミさんに手出しやがったら下ろすぞクソゴリラ。なんだまたかよ。どけ猿。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。
Oh, ça va, eux en général ils sont faciles. Oh, peut-être pas, il y en a de couleurs différentes. Et il y en a dans des zones différentes en plus. Les attaques normales peuvent posséder le type force, vitesse ou technique. Chacun de ces types est plus ou moins efficace selon la situation et affecte les dégâts infligés. L'efficacité d'une compétence est affichée sur l'icône de l'ennemi. Consulte l'icône de l'ennemi située dans la partie gauche de l'écran pour vérifier l'efficacité. Remplace les membres de ton équipage au combat en appuyant sur triangle. Sélectionne un membre de l'équipage efficace contre le type d'ennemi que tu affrontes. D'accord. Parce que là, du coup, on a type attaque, type... Attendez. Mais Ah bah ça fait pas du tout. Ok. J'essaye de comprendre, désolé, je parle pas beaucoup, mais... Oula, joli. Joli, mais elle l'a pas tué, malheureusement. Bon, pas très efficace. Allez, on va faire ça. What the fuck? Bah en vrai, l'autre possibilité, c'est que... Parce qu'en fait, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont toutes leurs attaques super fortes. Donc moi, je pense qu'il va se passer un truc et ils vont perdre toutes leurs compétences et... Ouais. C'est obligé parce qu'on peut pas se retrouver niveau 40 avec toutes ces compétences de fou là. Il y a un problème. Pas à dire le fille des glaces. Oh la 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 la. Bah du coup il y a du level up. Hein. Oh elle est stylée la montée en level. Bah attendez. Ok, donc on y va. Le petit boss, le premier boss qu'on va pouvoir affronter. Ok, c'est parti, nouveau combat.
Ok, objet, allons-y. Et voilà. Là maintenant il va falloir attaquer. Lorsque c'est au tour de ton équipage d'attaquer, tu peux sélectionner le personnage qui agira en premier à l'aide de L1 ou R1. Consulte l'ordre d'action de l'ennemi pour choisir le personnage qui agira en premier. Ah, c'est stylé ça. J'avais même pas vu que j'avais ciblé lui. Alors commence par les ennemis aux jauges les plus remplies. Choisis les membres de l'équipage au type efficace. Utilise les compétences adaptées au nombre de cibles. Bah écoutez, pourquoi pas hein. On va faire comme ça. Compétences. On y va, c'est parti. On va voir ses attaques. Oh là 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 là. En plus on l'a paralysé. C'était plus fort ça tout à l'heure que le coup. Ouais, je valide, fort. Allons-y. Diablo Jambu. Flambage Château. Oh là là. Et en plus il est brûlé. Oh comment t'es deg mon gros. Allons-y. Oh c'est propre. Oh que c'est propre. Ah ouais, laisse tomber la violence. C'est trop propre. Je kiffe. Diablo Jambu. Flambage Château. Oh là 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 là. En vrai, les jeux tour par tour, quand même, il faut reconnaître que ça peut être quand même vachement agréable parce qu'en fait, on voit vraiment les compétences du. De l'équipage. Hein. Bien, je crois que je l'ai eu. Arigato. よし。マリモのやつには負けねえ。このキャプテン嘘。今週。ナミさん。無事でよかった。ご苦労。前じゃねえよ、クソ剣士。 Oh, combat accéléré, ça peut être pratique ça. すげえな。ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは どうした? Frankie. コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。 他にも船の材料に適した人口が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。 水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい、待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。
まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンド3人号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ、行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。任せろフードバースター。立て直すわよ。危ない、ジョンボーさん。なんだよこれ。させるかよ。On peut dire que c'est stylé comme cinématique d'intro. C'est très 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 stylé. La question c'est qu'est-ce qui nous attend ? まもなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコロビンがいるのだ。Chapitre 1, Île des Tempêtes。思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐ、でもその後すぐに女の子がどこに。じゃあ島にはあるんだな。Ok, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. On se retrouve du coup, j'imagine, demain pour la suite de l'aventure. A très vite, bye bye.